Après le fond des mers et les océans, chers amis qui venez vous habiller, décollons cette fois vers les étoiles et prenons la direction d'une planète vraiment exceptionnelle, la bien nommée la Belle Verte. Help me please, save the bees, make the world the bees knees. Help me please, save the bees, make the world the bees knees. Suite au succès de Trois hommes et un couffin, puis Roméo et Juliette ou La Crise, Colin Serrault a ensuite réalisé ce chef-d'œuvre qu'est La Belle Verte. Sorti sur les écrans le 18 septembre 1996, le film s'est alors fait massacrer par la critique, mais il connaît depuis un succès grandissant. 20 ans après, il est plus que jamais d'actualité. Prenant le contre-pied des superproductions américaines, qui abordent le thème extraterrestre sous l'angle d'envahisseur ou de prédateur, sur La Belle Verte, au contraire, on ne se bouscule pas pour venir sur Terre. Mila, jouée par Colin Serrault elle-même, va toutefois s'embarquer dans un voyage intersidéral à destination de la Terre. Sur l'affiche du film, on y voit les enfants de Mila qui la joignent en glissant les pouces dans les oreilles et en orientant les autres doigts afin de capter les ondes les reliant de la Belle Verte à notre planète bleue. Le dessin qui suit, réalisé par René Biquel, à partir d'une photo prise peu après la sortie du film et dédicacée par Colin Serrault, imite l'affiche et montre notre ferveur pour ce film à l'incroyable destinée. Sur cette même affiche, on y voit le personnage de Message, joué par James Thierry. Son grand-père, Charlie Chaplin, avait, sans en avoir conscience et de manière prémonitoire, déjà réalisé ce geste télépathique. En effet, en 1932, à l'invitation d'André Citroën, Chaplin avait été filmé à Saint-Moritz, lançant des boules de neige, puis, par espièglerie, avait porté les pouces, non pas sur les tempes, mais dans les oreilles, et fait ce geste amusant. C'est pourquoi, pour mon livre précédent, Sourires unanimes, Ludovic Cagna a dessiné ce magnifique Charlot. De même, Albert Uderzo, qui a aussi accepté que Fred le transforme dans Abeillez-vous en druide préparant le nectar magique pour sauver les abeilles, avait associé son immense talent pour Sourires unanimes en reliant Astérix, Obélix et même Idéfix venant de la Belle Verte. Sur le dessin, une taupe symbolise l'humain, tout étonné de voir débarquer nos Gaulois d'une autre planète. Revenons au film avec deux jeunes actrices débutantes à l'époque et qui ont merveilleusement confirmé depuis, Marion Cotillard et Claire Keim. Elles n'ont d'ailleurs pas oublié les messages écologiques présents dans La Belle Verte. Claire est ainsi marraine de la Fondation Nicolas Hulot pour la nature et l'homme et son talent de chanteuse l'a amenée à intégrer la troupe des Enfoirés depuis 2005. En bonne picarde, elle tient la photo de la version ch'ti de Sourires unanimes. Marion est quant à elle devenue, depuis son Oscar, une des personnalités françaises les plus connues au monde, en tournant avec les plus grands acteurs, Leonardo DiCaprio, Johnny Depp ou Brad Pitt. Mais elle s'est aussi investie dans Abeillez-vous à travers sa caricature en Reine Abeille que Fred a reliée à la Belle Verte. L'ami Paul Crochet, grand second rôle du cinéma français pour avoir tourné avec Bourville, Lino Ventura, Alain Delon ou Romy Schneider, joue dans La Belle Verte, Ozam, le doyen de la planète. Bien qu'il nous ait quittés voici presque 4 ans, Paul reste dans nos mémoires et dans nos cœurs à travers des scènes cultes comme sa tirade sur la hiérarchie ou quand il nous recevait chez lui à Roquebaron dans le Var et se déclarait prêt à se lancer dans une suite de La Belle Verte. Paul. Oui. Es-tu prêt? Sono presto, si, signore. Prêt à rejouer la Belle Verte? Deux. Eh oui, je suis prêt à rejouer la Belle Verte, même deux fois plutôt qu'une. Mais dans une autre version, quoi, un peu différente.
mais toujours riche et substantielle. T'en rajoutes, Paul? Oui. Quel plaisir! C'est pour le faire rire. C'est pour faire, c'est pour faire rire le cadreur. Professionnel. Oui, ben, il vient de sortir de l'école. Il n'est pas encore complètement au top. Enfin, on l'a gardé. Bon. Vincent Lindon, qui joue le premier rôle masculin, est un obstétricien qui va, au contact de Mila, faire des prises de conscience sur le sens de sa vie, tant professionnelle que dans son couple ou dans le rapport à ses enfants. Fred, pour habiller-vous, l'a caricaturé en Max le Faux-Bourdon. Patrick Timsit fait, en présentateur télé, une apparition dans le film, comme Madeleine Besson, à leur enfant, et qui pose ici avec l'apicultrice et le CRS, car l'actrice et chanteuse s'investit pour des causes environnementales. Ses talents musicaux la m'aideront d'ailleurs à composer la musique de documentaire « Solution locale pour un désordre global ». Colline Serrault est sensible à la musique classique. Outre les passages de Bach dans La Belle Verte, elle a elle-même composé pour le film, et ce n'est pas un hasard si une scène a été tournée avec le quatuor. Le violoniste Laurent Vercambre et l'alto Pierre Gattem, deux des quatre membres du quatuor, relient ici « Habillez-vous » avec La Belle Verte en me qualifiant la Belle Verte. Une autre scène culte est celle du rétroviseur, interprété par Francis Perrin, qui insulte à coups de « connard » Vincent Lindon, qui rétorque « c'est terrible ce qui vient de t'arriver, on a touché à ton rétroviseur !» Avant que Raoul et Message, fils de Mila, à leur tour débarqués sur Terre avec la complicité d'Ozam, ne déconnectent notre conducteur en colère et le rebranchent sur les vraies valeurs. Les arbres, les fleurs et les sols, Yolande Moreau, ça lui parle aussi. Et sa passion pour la permaculture la relie d'ailleurs à notre producteur Jean Huyssen, qui aime se former à cette approche auprès d'Éric Escoffier. Le rôle de Yolande dans La Belle Verte se résume à une courte scène, mais non moins intense, dans une boulangerie. Fred a associé notre tendre reine abeille avec des papillons, en référence au film Henri qu'elle a réalisé. Denis Podalydès et Michel Laguéry font eux aussi partie du casting. La photo avec Michel a été prise au Parc Floral de Paris l'année dernière, lors du lancement d'Habillez-vous à Marjolaine. Le salon est d'ailleurs mentionné dans le livre avec la caricature de notre première reine abeille, Armelle. Comme Marion et Claire, La Belle Verte fut pour elle une de ses premières apparitions cinématographiques. Lors du Salon Marjolaine de cette année, organisé par la SPACE, représenté ici par Johanna Clément, les 20 ans de La Belle Verte ont été célébrés, notamment avec notre astrophysicien de génie et président de l'AFB, l'Association française pour la biodiversité, Hubert Reeves, représenté dans Habillez-vous avec une planète florissante. Bien sûr, on ne pouvait conclure avec un joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Ouh, et on applaudit et on... A world without bees is going to die. A world without trees will darken the sky. Don't waste our resources, we have to be smart. Let's make the right choices and think with our heart.
help me please, save the bees, make the world a bee's knees. Help me please, save the bees.